Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duellistes. Aujourd'hui, en compagnie de la mascotte de la chaîne Yamiuri et de son fameux puzzle du Millennium, nous allons ouvrir une boîte de 3 boosters, la saga des duellistes. Donc, une très bonne édition de boosters, hein, avec des cartes de l'animé, tout ça, donc des 5 premières séries animées, donc il n'y a pas Brains. Voilà, donc ainsi que ces 2 boosters bonus. Force extrême et l'esprit des guerriers, tout simplement. Virtual systems ready. On va commencer par la saga des duelistes. Ah, oui, mes amis. Voilà. Alors. Ça, c'était la petite. C'est la petite touffe de la chaîne, quoi. Hein. Voilà. Petit. Voilà. Toujours tout détruit. J'ai détruit la vie de nombreuses personnes. Je ne sais pas après le mariage. J'étais jeune, j'ai déchiré les 5 parties des Godzilla pour faire chier un ami à moi. Voilà, et balancer dans la mer. Voilà. Alors, on va commencer par le booster de Yubi. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, Vion Hérovision. Ah oui, il y a la nouvelle rareté, donc sorte d'ultra rare spéciale là. Je vais calibrer l'image, voilà. Ensuite, héritage d'un héros. Requin des profondeurs. Guide des enfers. Donc c'est une carte pas mal, qui était pas mal jouée par Lucas Lemay. Voilà, champion un peu départemental, quoi. Champion d'Alès. Voilà. Et grenouille d'arbre. Donc anciennement Renette, qui a été renommée. Alors, on va continuer avec le booster de Neos. Faites attention de ne pas trop déchirer là. C'est pas froid. Parce que je garde la pochette. Requin des profondeurs. Alors, on l'avait pas déjà eu. Si, on l'a déjà eu. Voile blanc. Généralement, les voiles sont noires. Hein. Pas demander. Voilà. Alors, sceptre au souffle de carreau. Pour le magicien du carreau sombre. Diva des profondeurs et Valet mortuaire pour les protecteurs du tombeau. Allez, le dernier booster, donc celui avec le cyber dragon dessus. Alors, nous avons numéro 28, papillon de nuit titanesque. Âme en conflit. Ah ben écoutez, on a la carte... qui est sur la pochette là, donc Néos de loyauté héros élémentaire, donc plutôt pas mal je pense, merde. Nous avons ensuite Canon Infernité et enfin un petit magicien sombre, donc ça fait plaisir, voilà, dans cette, le magicien d'origine quoi, j'ai un peu chromé, je vois une culasse customisée. Tout à fait. Alors maintenant nous allons ouvrir ces 2 boosters bonus. Étant donné que Yu-Gi-Oh, depuis tout petit, allez, joue avec moi. Yu-Gi-Oh! Ah, il a choisi Force Extrême, le booster en premier. Donc une référence à moi en fait. Voilà, mon frère qui est doté d'une force inouïe. Ouais, la force extrême de l'extrême droite. Donc, alors, nous avons Delaunay Tendangle. Donc, le Tendangle a inspiré des chiens de Tendalos, il me semble, dans les livres de Lovecraft, qui sortent justement des angles. Zombino, donc tout à l'heure, la semaine dernière, ouais, nous avons eu Zombina. Donc là, Zombino, pas mal, hein, petit zombie normal, ouais, 4 ouais. Étoiles, 2000 à l'attaque, avec écrit... Les deux si proches. Il meurt et puis ressuscite. Trop inséparable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser la question. Partenaire de stripping. Alors est-ce qu'il va faire un striptease ou pas? C'est pas trop. Administrateur de flammes, un monstre lié. Petite chimère de la paresse, un monstre lié. Et Quartz Phantom Chevalier Gemme, une super rare monstre lié également. Encore un lien, preneur Underclock. Prison de feu et navigateur auto facho. Alors,
continue. Donc cette fois avec le booster l'esprit des guerriers. Donc il y a 5 cartes par pack, donc je suppose que c'est des brillantes quoi. Alors nous avons signaux de fumée de chien pour les 6 samouraïs. Ascétisme des 6 samouraïs pour les 6 samouraïs. Kid Brave magie de mousquetaire. Chien ombre des 6 samouraïs pour les 6 samouraïs. Et un secrétra peinture orageuse météorologique pour tous ceux qui sont là sur TF1, voilà, ils te disent bonjour, je suis Anne-Claire Coudray, je vais vous présenter la météo. Voilà, simplement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire gagner un petit néos de loyauté. Hein, vous pouvez voir dans les commentaires de la vidéo précédente pour voir qui a gagné la semaine dernière le sniffer ainsi que zéro, fait la carte zéro, je sais pas quoi là, la pendule. Donc petite récap, là, je vous montre vite fait ce que j'ai chopé. Voilà, effectivement, je vous fais gagner ce néos de loyauté, donc comme d'habitude, un pouce bleu. Regardez, s'il y a Miyugi qui vous le demande en personne, pouce bleu. Et vous vous abonnez à la chaîne. Vous mettez un commentaire pour dire je participe. Plus vous faites de choses, plus vous avez de chances de gagner, mes amis. Mais bien sûr, c'est une logique. Donc, et j'annonce dans une semaine le gagnant pour des. Au cours d'une nouvelle ouverture. Cette fois-ci, sans doute, ouverture soit des duelistes légendaires de l'ancien millénaire à la display de Pegasus, soit la collection légendaire Kaiba. Dans tous les cas, j'ouvrirai les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir tout simplement ces ouvertures à venir, toujours avec cet humour typique de la chaîne Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duelistes. We'll be right back.